Bon, bah, moi, je vais passer un petit bonjour à nos amis, les trolls globulistes payés, fidèles suiveurs de la Terre plane depuis plus de 12 mois. Donc, je fais des gros bisous à Fred Abbess, à Patrick L. Et oui, effectivement, donc, il y a une profession qu'on peut appeler le troll payé, qui sont en fait des sociétés de communication qui embauchent des gens qui sont payés sur le web, à aller sur les médias sociaux, sur des forums pour plébisciter. Alors oui, on a nos équipes dédiées spécialement à Terre plane. Et je sais qu'ils adorent me traiter de parano parce que ceci, parce que cela, mais ils savent très bien que je sais qui ils sont, parce que il n'y a pas d'être humain assez malade, débile et perdu qui passerait ses journées depuis un an à poster des commentaires et à s'acharner sur la théorie de la Terre plane sur YouTube des heures durant, sans qu'il soit payé. C'est juste pas possible, pas logique pour un être humain normal. J'ai retrouvé des commentaires de Chippy et de Vincent B. Alors, qui sont des trolls. Chippy, on la voit pas trop, mais elle fait partie de la bande à Théos, Globio ouais, de Montagne, ouais. Tout ça. Et elle est très active. Alors, je dis elle, mais je devrais dire il, parce qu'à mon avis, c'est un gars. Et je pense que, bon, pour son discours et tout, il a vraiment les réactions masculines. Je dirais pas, je vois pas une femme parler comme ça. Et je pense que ça fait aussi partie de leur stratégie d'adopter des faux profils pour déstabiliser, parce que c'est vraiment leur truc de déstabiliser et de pourrir les trucs. Toi, cette Chippy, on la trouve sur toutes les chaînes, c'est impressionnant. Pour être sur toutes les chaînes, qu'est-ce que vous faites de votre vie, quoi? Le RSA ne peut pas expliquer ça, c'est que vu que vous ne faites que ça, vous n'avez rien d'autre à faire, donc forcément vous êtes payé. Et c'est évident ce que tu fais. Hein. Effectivement, là, on doit se rendre à l'évidence que ces gens-là sont payés. C'est évident. Logiquement. La personne, n'importe qui, ne va pas user son temps à agresser et à contredire des gens qu'il considère comme farfelus, idiots, débiles. Il n'y a aucune pathologie mentale, aucun déséquilibre mental qui permet d'imaginer que quelqu'un soit épris à s'acharner à longueur de journée sans être payé sur des théories ou des idées qui ne leur plaisent pas. Il faut être payé pour autant de temps. Mois après mois, jour après jour, c'est tout, c'est comme ça. Et on le sait, ces sociétés de communication-là commencent à être bien connues, surtout quand tu tombes sur des bons gars. Hein, tu les profiles bien, c'est-à-dire des gars qui ont par exemple la passion de l'astronomie, comme Patrick L ou des choses comme ça. Tu leur dis, hey, moi je vais te payer à aller démonter ces espèces d'obscurantistes, cette secte plateux, moyenâgeux qui défend toute la théorie de la Terre plane. Parce qu'en plus de ça, ils attaquent l'espace, va leur montrer la science, hein, puis lui fournit un petit livret avec des références sur certaines théories, ceci, cela, les arguments les plus probants pour questionner la théorie de la Terre plane. Et puis, vas-y, go, le gars, il est tout content, il se prend pour un héros, pour un défenseur de la bonne pensée, de la logique et de la science. Alors que le gars, il a peut-être niveau bac plus 1 ou bac plus 2, si c'est pas juste niveau bac, et qu'il a jamais fait d'études en science, puis il est tout content, et voilà, il se prend pour un héros, il dit, c'est cool, je gagne ma vie en postant des commentaires, et en combattant des idées de farfelues. Voilà. Tout à fait. Bon, bah voilà, le bonjour est passé. Ouais, le bonjour est passé. Ah, ils vont être contents.